Democrats are politicizing the... I'm not afraid to be seen standing up to these guys. The mask is not for you. It's to protect the people you care about. Bonjour à tous. Plusieurs centaines de personnes à Bruxelles ce midi. Elles protestent notamment contre le port du masque imposé par les autorités. Mais que demandent-elles concrètement et pourquoi ne font-elles pas confiance au consensus scientifique? Le reportage de David Brichard. Contre le port du masque obligatoire. On n'est pas contre le masque, mais on est contre le port du masque obligatoire. On doit avoir le choix. T'as une voix que je ne supporte pas. J'ai 75 ans et je manifeste pour la première fois de ma vie parce que je trouve ces conditions inacceptables. J'ai bon caractère, mais j'ai le glaive vengeur et le bras séculier. L'aigle va fondre sur la vieille buse. On est en train de nous écraser de tous les côtés, quoi. Hein, on nous a interdit d'aller à la plage, on nous a interdit de partir en vacances. Quand on part, il faut qu'on remplisse des formulaires. On est suivi à la trace, en fait, et ça, on n'en a pas envie. Ici, beaucoup pensent que derrière la crise du coronavirus, il se joue quelque chose qui échappe totalement aux citoyens. Nous, on pense vraiment que c'est une très grosse mascarade pour cacher un petit virus qui cache d'énormes fraudes et donc qui cache le déficit mondial, la faillite mondiale. Et donc les bourses se sont écroulées et on a sorti le petit virus pour cacher tout ça. À la population pour qu'elle ne se réveille pas. Le but, la vaccination. Il y a beaucoup d'argent qui vont être brassés grâce à la vaccination. C'est juste cela. Et les personnes qui parlent à la télévision, professeur Van Raas ou Van Lathem, ben ils reçoivent des petites enveloppes des lobbies pharmaceutiques. Ça, tout le monde l'a vérifié ici en tout cas. Nous sommes au courant. Vous êtes folle. Vous êtes une astite folle, Chris. Vous commencez à me casser sérieusement les couilles avec votre masque à la con de merde, là. Ouais, ouais, ouais. Il va continuer à faire ça longtemps, lui. Bonne vidéo. Je suis ton père. Je suis ton père. Je suis ton père. Non, mais il est fondu, ce con. Hé, les gars, arrêtez vos conneries. Est-ce que ça te protège de quoi? Alors déjà, t'es ridicule, t'as l'air d'un charclos, t'as l'air d'un débile profond. En plus, on va pas se mentir, le masque, je t'explique, parce que moi je le mets, parce que c'est obligatoire. Sinon tu te prends 135 euros d'amende dans la gueule. Alors quand t'en as marre de payer, ben tu vas mettre ton masque, bien sûr. Alors je vais des fois arrêter les conneries, là. Qu'est-ce que c'est que ces hurluberlus? Arrêtez de vivre dans la peur. Arrête de faire l'imbécile. Le coup du masque. Arrêtez la psychose, ça sert absolument à rien, ils sont dégueulasses les masques, personne ne les lave. Ah mais arrêtez de gueuler comme un con. Puis je vais te dire un truc, le Covid-19, si tu dois l'avoir, eh ben tu l'auras, point barre. Et puis quand tu l'as eu une fois, ben peut-être que t'es immunisé, hein. Avec celui-là, vous savez, ça fait un moment que j'ai arrêté les pronostics. Comment on va faire là, avec la psychose? C'est du... La psychose. Vous avez, y a un truc que vous comprenez pas. En clair, il est incroyablement con. Faudrait construire des asiles de cons, mais vous imaginez un peu la taille des bâtiments. Je sais que ça va disliker. Oh, je les vois, les rageux. Oh, je les entends, les rageux. Oh, je les vois, les normaux pensants. Les gens qui pensent dans la norme. Les férus de BFM TV et compagnie. Je les vois, je les entends. Je les entends, je vous vois en commentaire. Les schizophrènes que je suis, nananiana, t'es fou, Karl, etc. Mais non, je suis pas fou. Je ne suis pas fou. Il est tout à fait fou, ce type, hein? Arrêtez avec votre masque de merde. Ça fait chier tout le monde. Et comment voulez-vous qu'il y ait une immunité qui se fasse si on ne met pas le masque? Comment voulez-vous, si on n'attrape pas le Covid-19, qu'il y ait une immunité qui se fasse? Quand il y a un danger, eh ben faut y aller au danger, faut y aller au front. C'est comme ça qu'on se bagarre. La vie, c'est un combat, la vie. La vie, c'est pas se cacher. Ça, c'est bon pour les gens qui ont peur de tout. La vie, c'est un combat. Et il faut accepter les choses. La meilleure façon de régler un problème, c'est de l'affronter. Alors le masque, c'est de la grosse connerie.
que tout le monde ait le Covid-19 et qu'on n'en parle plus. Il y aura une immunité qui va se faire. Et ça, ça évitera qu'ils nous vendent leur vaccin de merde. Je pense que quand on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner. Voilà pourquoi ils vous font mettre le masque. Pour pas que vous ayez le Covid-19, pour vous vendre un vaccin. Vous êtes un grand malade mental. Parce que le vaccin, c'est quoi, en fin de compte? Ben, c'est le Covid-19, le vaccin en dose. C'est juste une dose suffisamment intéressante pour que vous puissiez créer des défenses immunitaires. Et ils vous rajoutent 3-4 saloperies, 3-4 saloperies dedans que les laboratoires pharmaceutiques n'ont pas besoin. Hein. Ça s'appelle du business. Voilà. Mais si tu l'as déjà chopé, le Covid-19, c'est comme la grippe. Si tu la chopes, tu prends pas d'antibiotiques, t'es pas mort, t'es vivant. Eh ben, tu l'auras pas deux fois ni trois fois. Moi, je suis jamais malade. Les gens qui prennent des médicaments, ils sont toujours malades. Eh ben, les gens qui se foutent le masque sur la gueule, c'est pareil. Ben ouais. Sans compter que t'as l'air d'une grosse quiche avec ça et qu'on n'entend plus rien quand tu parles. C'est pas possible d'entendre ça. Il y a quelqu'un qui vient de m'envoyer une canette journaliste qui portait un masque ici. Parce que vous avez constaté, la distanciation sociale est assez difficile à respecter. Alors, les gens ici se font des câlins, s'embrassent, ne croient pas, plusieurs d'entre eux, du tout, à la pandémie. Ah, je n'en porte pas de masque, moi. Non? La COVID, c'est toute de la bullshit. Ça m'a littéralement cuit les boules. Non, moi, je ne tente pas d'emballer ma barbe, c'est pour ça. Je ne souhaite pas la COVID parce que ça fait quand même des morts. Non, 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 non. J'ai jamais été vacciné et jamais rien eu. Mais qu'est-ce qui vous prend? Ça marche pas? Vous êtes dingue! On ne peut pas respirer. Ce qu'on veut, c'est respirer. Je veux dire, la santé, c'est de l'énergie. On capte de l'énergie. On s'alimente bien. On fait du sport. Pas des imbéciles ni des abrutis. C'est terminé de nous parler comme si nous étions des décérébrés. Moi, Arruda, ce n'est pas un scientifique. Nous avons eu des cas, des formes plus sévères, mais ces patients portaient déjà des comorbidités. Enlevez-moi ce minus. We'll be able to have a test. What's the date of that? Yeah, no, I don't take responsibility at all because we were given a set of circumstances. Alors je me demande ce qui va me prendre le plus de temps. Te taper à coups de pelle et traîner ton corps dans les bois pour l'enterrer.